Bonjour à tous, c'est Plein Champ et aujourd'hui on va parler de Oreste à Mossoul par Miloro. C'est un spectacle qui a eu lieu à Nanterre-Amandier dans le cadre du festival d'automne et donc j'y suis allée hier soir et je vous laisse avec quelques petites images. Oreste à Mossoul. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Ça s'appelle comme ça parce que Miloro a décidé de monter l'Orestie d'Eschyle, qui est une tragédie grecque fondée sur la vengeance et le meurtre des parents, à Mossoul, au moment où l'État islamique avait pris totalement possession de cette ville. Bizarre om hier te zijn. Het is alsof ik in een televisieserie sta. En tegelijkertijd in de klassieke oudheid. Troje bestaat niet meer. Ik dacht het te worden! Zie hier. Mijn echtgenoot. Agamemnon. Dood. انتهت الحرب. هذا كان آخر مشهد صورناه بالموصل. مشهد غريب. انك تعفو عن قتلة بمدينة الناس كانوا متعذبين تحت سلطتهم. En fait, ce qu'on voit sur scène, ce n'est pas une reprise de ce spectacle qui a été fait à Mossoul, mais on va dire un peu les backstage. Comment ça s'est passé, les discussions avec les habitants de Mossoul, comment ça a été reçu, quelles ont été leurs difficultés. Et tout ça, ça a été filmé. Et donc, on voit des scènes de l'Orestie sur scène. Et en fond, on a un écran vidéo. Ce spectacle dure 1h45. Il est en néerlandais, en anglais et en arabe. Miloro va faire un parallèle entre l'Orestie et la violence dans l'Orestie et la violence de Daesh. Au niveau de la scénographie, je vais mettre une image. Comme toujours. Sur scène, il y a deux espèces de bâtisses avec seulement l'écran vidéo en fond. C'est tout. C'est assez épuré finalement parce que la vidéo se fait témoin en fait de ce qui s'est passé à Mossoul. Et ce qui est important, c'est le témoignage derrière à travers les images filmées à Mossoul. J'avais jamais pensé au parallèle qui pouvait être fait entre les deux, ça fonctionne. Très bien, c'est pas du tout gros sabots, c'est assez perturbant finalement, c'est une pièce assez dure, hein, je vais pas dire le contraire, parce qu'en fait le choix de Miloro c'est de ne pas montrer d'image d'exécution, même si on en parle tout le temps. Il y a un moment où le comédien qui joue Oreste explique qu'un photographe de Mossoul a filmé des exécutions et donc il le fait jouer sur son téléphone et on entend juste le bruit. Il n'y a pas d'image et les seules images d'exécution qu'on a, c'est des reprises faites par les comédiens. Mais c'est tout aussi glaçant. Ça l'est d'autant plus, je trouve. Il y a une scène d'étranglement. Le comédien qui joue Agamemnon explique qu'il a regardé beaucoup de vidéos d'exécution avant de se rendre à Mossoul, avant de jouer. Et le truc qui l'a le plus frappé, c'est la lenteur de la mort par étranglement. Et donc on va voir l'étranglement fait sur scène. Il y a le personnage de Cassandre aussi qui est mis en parallèle explicite avec les femmes de Mossoul, c'est-à-dire que Cassandre, c'est cette femme qui devient esclave et aussi esclave sexuelle, qui n'est crue par personne et qui n'est pas entendue, qui peut parler, mais qui est contrainte par la réception des autres. Après, c'est une pièce qui est quand même assez illustrative. C'est-à-dire que le parallèle est là, mais on va insister sur le parallèle tout le long de la pièce. Si cette pièce dure seulement 1h45, c'est parce que Electre n'existe pas dans cette mise en scène.
n'y a aucune référence à Electre et on se concentre sur Orest. Orest, qui est joué par un Estonien, qui est donc accompagné de Pilade, au lieu de montrer une amitié comme on peut le voir dans l'Orest par Ivo Vanov à la Comédie Française avec Loïc Corbery et Christophe Montenez, qui sont très liés, où on sent une fraternité, là on va insister sur une possible homosexualité, enfin là elle est même pas possible, c'est elle existe. Ces scènes de baiser entre deux hommes à Mossoul, dans les ruines, c'est très beau parce qu'en plus c'est passible de mort à Mossoul, on les jette d'un immeuble, donc c'est très fort, hein, c'est très chargé au niveau de ce que ça implique. Pour revenir à la ville, on voit en fait toutes ces images d'immeubles détruits qui sont très... C'est très marron, c'est couleur terre et ça fait vraiment penser en fait aux ruines antiques. C'est à la fois glaçant et en même temps extrêmement esthétique. Ce qui était très très chouette aussi, c'est le côté métathéâtral. Donc la métathéâtralité, c'est de montrer aux spectateurs qu'on joue. Il n'y a plus aucune illusion théâtrale. Ce qui se passe sur scène n'est pas la réalité. La réalité, c'est les images projetées derrière. Et donc, on voit Clytemnestre être tué, Cassandre être tué, Agamemnon être tué. Et après, ils se relèvent et ils vont regarder les images. Le reproche que j'ai à faire à cette pièce, c'est qu'il y a un moment où l'on va avoir une discussion entre Clytemnestre et Agamemnon lorsqu'il revient de la guerre de Troie. Le seul moment où ça ressemble à une pièce de théâtre, et je trouvais que ça fonctionnait pas énormément. Ça cassait plutôt le projet. La question qui va planer tout au long de la pièce, c'est qu'advient-il des salafistes? C'est la même question qui se pose à Oreste lorsqu'il a tué sa mère. Est-ce qu'il faut lui pardonner? Il y a un vote. Est-ce qu'il faut lui pardonner ou est-ce qu'il faut le tuer? Et là, en fait, on va faire un parallèle entre Oreste et les salafistes. Les gens qui ont collaboré avec l'État islamique, est-ce qu'il faut leur pardonner ou est-ce qu'il faut les tuer? Et ce qui est important, c'est que l'Orestie se termine sur le pardon d'Oreste. On lui pardonne et donc c'est la création d'une démocratie avec un vote, un procès. On va pas nous questionner là-dessus parce que c'est impossible de répondre à cette question. Ça met juste en parallèle et c'est déjà très bien. Seulement, j'ai juste un problème avec les personnes qui vont voir ce genre de spectacle. C'est-à-dire que les deux femmes à côté de moi rigolaient dans les scènes de meurtre, du coup, qui n'étaient pas réalistes et qui n'avaient pas d'ambition, d'illusion théâtrale. Elles se mettaient à rire. Dans les moments de chant arabe, elles riaient aussi. Et surtout, pendant les scènes de baiser entre deux hommes. Donc, je comprends pas ce qui est drôle. Je comprends pas pourquoi aller voir des pièces aussi lourdes et se mettre à rire et partir pendant des applaudissements. Si vous êtes spectateur, si vous voyez un spectacle aussi lourd et que ça vous emmerde, partez, laissez-nous tranquilles. Merci. Donc, pièce très importante, très intelligente, très bien amenée. J'ai hâte de suivre le reste du travail de Milorro. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et surtout vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas me suivre sur Instagram, @pleinchamp. Et je vous dis à demain pour une vidéo sur Pompiers au Théâtre du Rond-Point.